précédemment. À chaque répétition, le moindre détail est analysé. En coulisses, les candidats fraternisent, tout comme les supporters dans les rues de Lisbonne. À 2 jours de la finale, les déplacements se font désormais en bus, mais toujours avec le drapeau. Ah bah oui, tu dors avec. Sous bonne escorte policière, la délégation française prend la direction de la grande salle pour une nouvelle répétition. La popularité des Français grandit, surtout auprès des supporters étrangers. Merci beaucoup. Beaucoup de chance de la part de la Belgique. Mais on a beau être candidat à l'Eurovision, la sécurité reste stricte. Fouille pour tout le monde. On dit souvent que l'Eurovision, c'est aussi de la géopolitique. Alors, qui vote pour qui ? Nous nous sommes plongés dans les chiffres. Historiquement, il existe plusieurs blocs. Le groupe des ex-pays soviétiques, le groupe des pays nordiques, ou encore celui des pays de l'Ouest. Bien souvent, chacun vote pour ses voisins amis. Sauf que les choses sont en train de changer. Bon, à l'Est, rien ne bouge. En 2016, par exemple, les ex-pays du RSS ont tous voté entre eux. L'Azerbaïdjan a donné ses points à la Russie, l'Ukraine et la Bulgarie. En revanche, les pays d'Europe du Nord n'ont plus la même solidarité. La Norvège a par exemple placé l'Italie en première position devant l'Australie et la Bulgarie. Et la France dans tout ça ? Il y a un pays que les Français soutiennent particulièrement. 10 points pour l'Arménie. Les 12 points vont à l'Arménie. Arménie. L'Arménie, qui peut compter sur environ 600 000 personnes d'origine arménienne vivant en France. L'Eurovision, c'est donc aussi de la diplomatie. Alors il faut voyager pour faire connaître sa chanson et maximiser ses chances. Madame Monsieur ont participé à 5 tournées, dont Tel Aviv, où nous les avons accompagnés. Tapis rouge, photos, interview. C'est un peu comme une campagne, et donc le fait d'aller, de faire l'effort, de prendre du temps, de venir passer 4 jours, découvrir le pays, c'est important pour nous, je pense que c'est important pour les gens qui aiment l'Eurovision aussi, je pense que ça compte carrément. Retour à Lisbonne. Madame, Monsieur sont attendus sur scène dans quelques minutes. Une question est dans toutes les têtes. Les modifications demandées la veille ont-elles été prises en compte ? À la sortie, Émilie et Jean-Carles semblent soulagés. Ce qu'il faut maintenant, quand on touche au but, c'est plus s'occuper de l'aspect technique et se concentrer sur l'émotion qu'on veut donner. Voilà, c'est ça le plus important. Après, Oublier un peu toutes les... C'est pas facile, mais oublier qu'il y a des caméras, oublier qu'il y a des mouvements à respecter, tout ça, etc. Et juste chanter la chanson, parce qu'on est venu pour ça quand même, pour raconter cette histoire et chanter notre chanson très simplement. Donc voilà. Après la répétition, place à la détente. Soir de relâche exceptionnel dans cette semaine chargée. Toute la délégation a rendez-vous dans un restaurant de Lisbonne. Ils vont regarder ensemble les demi-finales de l'Eurovision. Madame Monsieur se retrouve dans la position de spectateur. Ambiance détendue. Et concours de pronostics. Ça reste un jeu, hein. Tu vois ? Même si on a envie de le gagner. Les 10 qualifiés du jour sont égrenés. Eh ben, je suis pas mal, hein, 9 sur 10. J'avais juste mis les Suisses à la place de l'Irlandais, que j'aime beaucoup aussi, mais c'est vrai qu'on est vraiment copains avec les Suisses, donc j'avais très envie qu'ils se qualifient. Je suis déçu pour eux, mais sinon le reste, j'avais tout bon. La France, tout comme 5 autres pays, dont le Portugal, pays organisateur, est automatiquement qualifié pour la grande finale. Alors que nos candidats français sont déjà partis dormir, il y a un lieu où toutes les délégations et les fans se donnent rendez-vous une partie de la nuit. L'Euroclub, boîte de nuit éphémère pendant la durée du concours. Avec une particularité, on ne danse que sur des chansons de l'Eurovision. C'est cette fameuse bulle
qu'on ne retrouve qu'une dizaine de jours par an. Et donc oui, on a envie de, chaque année, dès que l'Eurovision se termine, on a envie que l'Eurovision recommence pour justement retrouver cette bulle de l'Euroclub et de l'Eurovision. Mais au petit matin, il est temps de rentrer. Dans 48 heures, place à la grande finale.